Les amis, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une décision. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de monstres dehors et je pense qu'on pourra pas survivre longtemps ici. Je dirais, y a pas grand-chose, quoi, y a rien du tout. Donc, je vais prendre tout ce que je peux et je vais essayer de partir. Partir où je ne sais pas. Je ne sais pas encore, du moins. Le plus loin possible, en tout cas. On va essayer de trouver d'autres campements. Je suis sûr que peuvent pas être venus seuls, je veux dire, c'est pas possible, il y aurait au moins une fusée ou quelque chose. Ils n'ont pas pu venir sans rien. Donc je vais prendre tout ce que je peux, ne serait-ce que de quoi me construire un abri, hein. Regardez-moi ça. Voilà, ça je peux pas prendre. Ça je peux prendre un petit peu, alors même si ça me prend un petit peu de temps, je pense que... Ah non, je peux même pas le prendre ça. Mon Dieu. Écoutez, il y avait du gravier là. Alors on va prendre le gravier une fois que... Une fois qu'on le pourra. Alors malheureusement j'ai pas de quoi prendre tout ce que je veux. On va garder ça au cas où. Voilà. 9 d'autruche aussi. D'autruche. Pardon, je l'ai dit dans tous les épisodes passés. Et on va prendre les coffres aussi. On va prendre vraiment tout ce qu'on peut. Je compte pas vraiment revenir ici. À moins d'un échec cuisant, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. J'ai pu fermer un petit peu l'œil de la nuit, hein, mais ce repos ne m'a pas vraiment aidé à oublier, pour être honnête. Écoutez, celui-là aussi, on va le prendre. Voilà. Alors, il me faudrait un outil pour le prendre, peut-être. Malheureusement, je n'ai pas. Donc, on fait avec les moyens du bord. C'est effrayant. Regardez tout ce qui rôde la nuit, c'est... C'est juste incroyable, quoi. Ouf! Il y a des infectés qui se transforment en loup-garou, ça devient n'importe quoi, je veux dire. Ça, on pourrait le transformer en planche. Voilà. Ça pourrait nous permettre de d'avoir plus de blocs. La lumière, je vais peut-être la laisser. Des pancartes. Écoutez, on va piquer une pancarte de là. On va laisser un mot au cas où quelqu'un viendrait. Peut-être quelqu'une n'aura peut-être pas assez. Je ne sais pas. Voilà. Alors, on va mettre un... Je suis vivant. Je suis parti en vue d'une autre bâtisse. Voilà, je vais signer Rookie 26, voilà. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Hop. Ok. Notre lampe torche a des piles, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose même. On va se nourrir un peu une fin de minuit. Alors. Pourquoi j'essaie de partir, c'est aussi pour trouver des fonds alimentaires, des aliments, parce que vous voyez, je vais pas tenir vraiment longtemps avec tout ce que j'ai là. Ça va vraiment être compliqué, franchement. Très compliqué. Donc voilà, je check un petit peu l'état de mes armures. Mes protections, elles ont l'air de tenir le coup, ma foi. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une attaque d'abeilles. J'ai la peur de ma vie. J'ai eu littéralement la peur de ma vie. Écoutez, peut-être que ça on peut le casser. Même si j'ai des doutes. Non, on peut pas le récupérer. Écoutez les amis, je vais essayer de fermer un petit peu l'œil avant de partir. Je préparais mon sac. Et on se retrouve dès que possible. Je vais essayer vraiment de fermer l'œil. Ouais, je vais aller dormir un petit peu. Hop, un seul endroit qui soit à peu près confortable. Et encore, à tout de suite.
J'ai plutôt bien dormi, c'est une bonne chose. Alors, on va dire que j'ai plutôt été réveillé par les bruits de ces derniers. Écoutez, on va sortir et on va essayer de trouver. Ouh là 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 là. Ça me fait très peur. Écoutez, je vais prendre un peu de gravier. En tout cas, faut savoir que j'ai vraiment très très peur. Oh mon dieu, c'est pas du silex que je veux du gravier moi. C'est pas possible. Merci bien. Bon, écoutez, quand faut y aller, il faut y aller, quoi. Des papillons, je crois que ça risque rien, les papillons. Malheureusement, enfin, malheureusement, non, heureusement, justement. Une autruche par là-bas. Je vais essayer d'aller me la faire le plus loin possible. Regarde qu'il n'y a rien derrière moi, toujours très important. Bon, quitte cette bâtisse, j'espère qu'on en retrouvera une autre très bientôt. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un d'autre en vie pour le moment, ou du moins elle ne se manifeste pas. On va essayer de la voir de loin. J'ai raté. C'est bon. Je l'ai eu. Excellent. J'espère qu'elle m'a donné quelque chose. Rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Écoutez, on va essayer de partir un petit peu vers le nord. Puis on verra ce qu'il en est. Écoutez, les amis. Tout cas, c'est assez stressant. Bon, ça va. Le point positif, c'est que nous sommes le matin. Et que donc, il ne risque pas d'avoir de soucis. Pour le moment. Encore une autruche ici. On va y la chasser. Voilà. Alors encore une fois, elle ne m'a rien donné malheureusement. Bon, on va partir un petit peu par là-bas. Peut-être que elle nous réserve quelque chose, je ne sais pas. Je l'espère en tout cas. C'est monotone, c'est. Franchement, si quelqu'un. Enfin, il y a de quoi faire des dépressions. Honnêtement. J'ai rien, quoi. C'est des lacs de lave. Et ça, de cette pierre-là, de je ne sais quoi. Je ne peux même pas avoir. Regardez-moi ça, c'est. Je ne peux même pas creuser, me faire un trou. Non, rien, quoi. Puis en plus. La viande n'est pas courante, hein. Même les autruches ne veulent plus me donner de viande. Donc c'est assez mal embarqué, je dois avouer. Bon, je vais essayer de pas y passer la nuit non plus. Ce serait sympa. Punaise. Stressant, stressant les amis. En plus, y a plus un animal, quoi. Ouf. Regardez-moi ces insectes. Si ça se trouve... Ils peuvent nous tuer en un seul coup de... En un seul coup de piqûre, quoi. Ce serait... Ah, la panique. Ce serait la panique, hein, tout simplement. Tant de pas vous le cacher. Écoutez. Pas l'air d'avoir quelque chose par là. On va faire demi-tour. On va partir un petit peu par là-bas. Peut-être que ça sera... Plus fructueux. Où en est le soleil? On est déjà à son apogée, quoi. C'est dingue, c'est impressionnant. Écoutez, il faudrait peut-être tenter le coup. Si on tue un de ces trucs-là, est-ce que l'on risque grand-chose finalement? Ok, donc l'avantage, c'est que si on le rate pas, on l'en a un coup.
L'inconvénient, c'est qu'il ne donne rien, quoi. Vraiment, il ne donne rien. Alors, on va essayer de donner à manger à cet animal. Peut-être qu'un éléphant pourrait nous être utile. Je ne sais pas. On va voir s'il aime se nourrir de ce que j'ai. Hop. On va voir ça. Déjà, est-ce qu'il est passif? Mon Dieu. Punaise! On va essayer de courir. Mon Dieu. Je sais pas si vous avez vu, mais l'insecte me suivait. Hein. C'était clairement la mort pour moi s'il me touchait, je crois. Infecté de... d'insectes. Regardez! Regardez-moi ça. Écoutez, je crois qu'on va essayer d'aller approcher le gros éléphant. J'espère que lui n'a pas autant d'insectes autour de lui. Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra l'apprivoiser. Qui sait? En tout cas, il n'a pas l'air de vouloir du mal. Je vais quand même garder mes distances. C'est jamais un geste brusque pourrait toujours arriver. Ça, tu aimes? Pas l'air d'aimer ce que j'essaie de lui donner. On va essayer de revoir le petit. Peut-être que lui mangerait. Peut-être qu'il n'y a plus autant d'insectes qui tournent autour. En tout cas, ce serait une très bonne chose, pour être honnête. Si, si. Il y a autant d'insectes que tout à l'heure. C'est incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça. Mon Dieu! J'ai vraiment eu énormément peur, mais d'une force. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit qui faisait. Mais vous savez quoi, ce bruit m'a foutu les chocottes. Le soleil est déjà occupé de se coucher. Il faut vraiment que je trouve quelque chose. C'est vraiment très 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 hostile, quoi. C'est rempli d'insectes. J'en ai des frissons, mes amis. J'en ai vraiment des frissons. Très honnêtement. Des autruches par là. Écoutez, on va essayer de voir un petit peu. J'ai raté. Oh mon Dieu. Presque. Écoutez, le petit, on va pouvoir l'avoir à la machette. Mais c'est dingue! Elle nous donne rien! Rien du tout! Alors. Ah, le petit nous donnait deux côtelettes quand même. Ce qui est une très bonne chose en soi. Une très très bonne chose. Alors, il ne nous attaque pas, c'est une bonne chose, encore une fois. Alors. Peut-être que par là-bas, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Oh. Je crois avoir vu. Je crois avoir vu quelque chose. Ouais, j'ai bien vu quelque chose, mais le soleil se couche déjà. Attendez, je vais d'abord aller chasser ces autruches. À la machette cette fois. Elles ont l'air de me redouter. Des insectes, j'ai très peur de ça. Écoutez, on va aller voir ce qu'il en est là-bas. Voilà, j'ai eu deux côtelettes. C'est une très bonne chose. Regardez-moi ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Une chose sûre, c'est que je vais pas aller m'aventurer. Imaginez que ce soit des possédés là-bas, des personnes possédées. Ce que je vais faire, c'est un petit campement. Vite possible, de préférence. Ah zut, casser
cassé. Un petit campement de fortune, hein. Vous voyez. J'aurais même pas de quoi le fermer. Mon Dieu. Bon, écoutez, on va le fermer avec ça. Ça laissera un petit peu passer la lumière. Bon, les amis, une journée riche en émotions. Malheureusement pour nous, nous sommes bloqués dans ce petit abri pour la nuit. Contraints à dormir à même le sol. Donc voilà, c'est une plutôt mauvaise chose, mais écoutez, ce que je vais faire, hein, c'est j'essaie de récupérer ça. Voilà. C'est ce que je voulais. Hop. On va refermer. On va pouvoir casser ça. Hop. On va pouvoir mettre ça là. Et non, le coffre, on va peut-être le laisser. Par contre, on va se faire une petite fenêtre. Très dangereux ce que je fais là. Très dangereux. Ah non, non, c'est trop dangereux pour moi. La nuit va être rude, les amis, la nuit va être rude. Malheureusement pour moi. Les amis, je crois qu'on va se laisser là. Moi, je vais essayer de faire un petit somme, même si c'est pas très confortable par terre, je peux vous l'assurer. Voilà, on a un petit peu de lumière, même si j'ai peur d'user les piles de cette lampe torche. On a un petit peu de lumière, c'est une bonne chose. Punaise, j'en ai des frissons, mes amis. Écoutez, je vous retrouve une fois que j'ai des nouvelles. À plus tard.